Bonjour Matilda, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je vous re-souhaite, je sais pas comment je vais mettre les vidéos, je vous souhaite une bonne année, bonne santé et de pas trop acheter. Bon, moi, j'ai pas encore acheté cette année, mais du coup, c'est tout ce qui est du mois de décembre. Enfin, ça, c'est cool, je les ai achetés. Ah non, j'ai déjà fait des achats en janvier. Oui, quelques BD d'occasion. Bon. Bah du coup je vais commencer par ça. Je ne sais plus. J'ai quelques BD. Voilà, quelques BD que j'ai eu pas très cher. Ils ont été presque tous à 2,60 à part celui-ci que j'ai eu à 50 centimes. Qui est l'énergie Jeep, comme ceci. Je ne sais pas. Ça me tentait bien, si je comprends bien, c'est les énergies de la maison. Du coup, je me dis pourquoi pas tenter. C'est une petite BD pas trop chère en plus. Je vais pas faire beaucoup de résumés dans cette vidéo parce qu'elle va être longue. Parce que j'ai encore quelques livres à vous présenter qui est à côté. Je me suis procuré Cédric Gâteau Surprise. Voilà. Celle-ci, elle était de 2,60€. Chez Cash. Du coup je me suis procuré et j'ai vu qu'elle était pas trop abîmée. Du coup je me suis procuré pour la lire. Je sais pas, c'est le tome 10 si je vois bien. Ouais, c'est marqué 10 à côté de Cédric. J'en ai pas, mais pour 2,60 je me dis pourquoi pas. Voilà, et puis je crois pas qu'il y a d'ordre à les lire ceux-là. S'il y a un ordre, dites-le moi en commentaire. Puis je me suis repris Cédric encore, le 19 celui-ci. Cédric, on se calme. Voici. En fait, je vois qu'il y en a tout plein là. Mais pour le moment, je me prends ceux que je trouve. Ah oui, ça, il faut que je chope pour celui-là. Parce que ça, si je vois bien, ils vont ensemble. Du coup, j'ai Titeuf. J'aimais bien regarder quand j'étais plus petite Titeuf. Du coup je me suis pris, c'est l'amour est proposé. Voilà. Et alors j'ai le tome 2 sans le savoir. Voilà, il est marqué juste 2 là. Du coup je suppose que ça va ensemble. Voilà, c'est deux mêmes couvertures de toute façon, juste un petit chiffre qui change. Après, je me suis trouvé Garfield, le King. Voilà, il est trop beau aussi. J'avais envie de découvrir. Parce que voilà, je ne lis pas beaucoup de BD. Je me suis dit, pourquoi pas cette année, essayer de lire un peu plus de BD. Après, j'ai trouvé Le Petit Spirou, fais-moi bien faire pour toi. Le tome, je ne sais pas quoi. C'est le numéro combien? 14. Voilà, Le Petit Spirou. J'ai mes bouquins qui se cassent la pipe sur mes jambes. Un autre Petit Spirou qui est fait de beaux rêves, le tome 13. Voilà. Un autre Petit Spirou du... J'ai l'impression que celui-ci, il est un peu... Le tome 12 qui est c'est du joli. Voilà. Et ce machin là, c'est pailleté, je sais pas si vous allez voir. Ça a coupé parce que j'ai plus de batterie, du coup j'ai changé la batterie. Et je disais que, je sais pas si vous allez voir, mais ça c'est pailleté. C'est le string et ça c'est des fesses, on peut voir. Je fais tomber mes bouquins, ça m'embête quand ça fait tomber. Du coup voilà. Et pour le dernier, je me suis trouvé, celui-là il était 1€. Et j'avais envie de le découvrir aussi. Les pandas géants, une mise d'informations pour tous les petits sérieux. Voilà. Je ne sais même pas de quelle édition. Chandler, je ne sais pas. Et je trouvais ça joli. C'est fait pour les enfants à la base. Vous voyez les petits dessins pour enfants. Mais je me suis dit pourquoi pas apprendre moi-même aussi. J'adore les pandas. Comme je vais souvent à Paris d'Aïsa, les images sont magnifiques.
vraiment magnifique. Je pense que ça va se lire assez vite. Je pense que je lirai tantôt ce soir. Tantôt ou ce soir. Ça rime pas, mais c'est pas grave. Bon, on va continuer avec les autres livres. Ah oui, j'y suis là aussi. J'ai trouvé deux livres dans la boîte à livres. Qui est celui-ci, Belflus, tome 2. Voilà. Du coup, ça, je ne veux pas parler de résumé. Vous connaissez, je suppose. J'ai trouvé celui-ci en boîte à livres aussi. Qui est Miracle Morning. Offrez-vous un supplément de vie. Il est j'ai trouvé pas mal chez Pocket. Alors, je sais pas comment ça se dit. J'ai pas envie de me prononcer mal. C'est comment se lever si je j'ai déjà lu. Se lever plutôt pour s'ouvrir à une superbe vie. Si la clé du bonheur est de réussir à travailler dans cette nouvelle résolution, c'est de découvrir ce qui change la vie d'Alba ainsi que celle de millions de lecteurs. Démarrez votre journée par un moment rien qu'à vous. Profitez de ce moment de calme pour méditer, faire le sport, lire et préparer votre journée comme une nouvelle aventure. Chaque matin et faire de votre quotidien un miracle. Voilà, pourquoi pas. Après, je vais essayer de les prendre par où je les ai me suis procuré. Parce qu'heureusement, on va plus savoir quoi. Je me suis pris Mon boss et moi de Sophie Delanclou. Delanclou, il est trop beau. J'adore cette couverture. J'avais lu la couverture et il me tentait vraiment bien. Et excusez-moi. Poste à pouvoir dès que possible. Possible exclu. Si je comprends bien, on va suivre deux personnages. Mais j'ai plus envie trop de me mettre dedans. Pourtant, il faudrait bien pour que je vous en parle un peu. C'est Elisabeth était pourtant sûre d'avoir raté son entretien d'embauche pour faire un sous-entendu érotique à son patron, futur patron. Mais où avait-elle la tête? Autant que Berger, je sais pas quoi là, à la rétuée. Ça va pas le faire si je tousse tout le temps. Ah oui, il y avait ça aussi. Rick décroche le poste jusqu'à ce que Tom lui annonce une nouvelle. Aura-t-elle craqué pour elle? Isabelle pensait voltiger pour cette possibilité. Dommage, car désormais leur relation se doit être stricte professionnelle. Voilà pour celui-ci. Je me suis procuré, parce que je l'avais oublié sur le côté, du coup je me le prends tout de suite, La boîte à musique, le tome 2, qui est Le secret de Cupri. Brille dans le noir. Je sais pas, je l'ai pas encore testé, mais il est très beau. Je crois que je vous avais présenté le tome 4 déjà, que je l'ai trompé, et du coup je me suis procuré le tome 2, comme ça je vais le lire. Et il me restera le 1 à me procurer. Je vous montre quelques planches. Par contre, les autres, je ne vous ai pas montré les planches. Mais je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent les BD. Je vous ai présenté avant. Du coup, ça venait de chez... je sais que tout le monde n'aime pas, mais je m'en fous. Action. Amazon. J'ai encore 4 livres à vous présenter d'Amazon. Je me suis pris celui-ci un jour en décembre. Ça, je voudrais bien me le lire ici. Mais franchement, je pense pas que je vais le lire en janvier. Ça va être dur parce que j'ai encore dans mon livre et ça m'ennuie. Enfin, soit, je verrai bien.
Un jour en décembre, chez Pocket, et le nom Josie, et si le vert, si vert. Voici. C'était un jour de neige en décembre, à travers la vitre embuée d'un bus long d'un. Lors d'un. Oh, lors d'un. Oh, je ne sais plus parler. Laurie aperçoit un homme leur regardant se croiser et le bus redémarrait. En cet instant, suspendu à la magnifique, celle qui pensait que le coup de foudre n'existait que dans les films, tombant d'éperdument amoureux pendant une année entière. Elle étudiait tous les visages, sondes de foule, après la vie, pour découvrir Vine jusqu'à ce soir de Noël où sa meilleure amie, la colocation est présent de nou cette nouvelle homme de sa vie, Jack, l'homme du bus, 10 ans de chat. Je ne sais plus parler aujourd'hui. Chassé, croisé de retrouvailles à l'occasion de manquer, surtout qu'il l'aura réussi. Je sais même pas si vous avez compris ce que moi j'ai raconté. J'ai tout qui me perturbe aujourd'hui. Je continue. Toujours sur Amazon, je me suis procuré celui-ci qui me tentait absolument. Je vois beaucoup tout le monde le lire et franchement, il me donne vraiment envie. Si j'ai bien compris, ça parle de sorcellerie, celle-ci. Donc, où c'est Ilville, Vildo, je ne sais pas comment ça se dit, mais la couverture est trop belle. J'ai de. C'est quoi la collection? Dans la collection Fantastique, mais je ne sais plus comment c'est le nom. Je ne sais plus. Ah, Bookmark. Voilà, bon, je vais pas continuer, il me reste encore pas mal et je suis déjà à 8 minutes de la vidéo. Il est vraiment pas mal, ça s'appelle de sorcellerie, je voulais me tenter. Il y a celui-ci qui me tentait absolument depuis très longtemps et j'ai foncé, même que le prix me fait un peu tuer le portefeuille. Du coup, je me suis procuré Le Chant des Loups de Le Clan des Bennett, aussi chez Bookmark. Si j'ai bien compris, c'est un MM et c'est un tome 1. Je crois qu'il y en a 3 ou 4. Il faudrait que je me renseigne. Par contre, j'ai oublié de remettre mon GSM à charger. Je n'aurai plus de téléphone pour moi partir parce que je vais au docteur après. Hop, je mets à charger. Du coup, je vous montre. Si, j'ai envie de celui-là. Ceci, je les ai achetés, je ne sais plus. Je ne sais plus le nom du magasin. Mais ça, je vous ai déjà présenté dans mes occasions. Je vous montre Le Voyage de notre vie de Christophe Clofer chez Michel Lafon. Je l'ai eu à 4,95. Vous savez pas si vous allez voir l'étiquette là au lieu de 16,95. Du coup, je me suis procuré, à part que celui-ci, les pages sont fort blanches. Voilà, je me dis pourquoi pas tester autre chose que dans mes ce que je lis pour le moment quoi. Après, je me suis procuré celui-ci que je ne sais même pas prononcer le mot là, les Oquilandions du cœur de Anna Idou Virtek de chez Michel Lafon dans la collection Roman, si je ne dis pas de conneries. Voilà. Il est trop beau, ça parle de. Il y a des petits canards. Celui-ci, je l'ai eu aussi à 4,95 €. C'est vrai que je vous ai pas. J'ai pas pris les deux coloriages. J'avais deux livres de coloriage aussi. Au lieu de 17,95 €. Celui-ci me tentait absolument plus que les autres. Je sais pas pourquoi. Discret. Discret. Les fleurs bleues
et japonaise, Kai, Kayo, enfin des noms japonais, et une talentueuse, veine inconsolable, écrivant Jean-Marc Poller se définit lui-même comme une ancienne gloire de la littérature. Quand la déroutante Angélique Gnocchi, je ne sais pas comment ça se dit, elle est mathématicien au CMRS. Que peuvent bien avoir en commun les trois personnages en partant rien sauf peut-être leur amour pour le risu, des petits jouets vintage, appelle Clubuto, je vois pas ce que c'est, j'étais où? Il découvre que certains de ses joujoux renferment des mystères, massages de phare, le phare s'appelle, les amours sont des âmes sœurs. Demain je pars, lit par cet étrange travail errant qu'il y a par la chasse au trésor à la poursuite des amants. Voilà. Si je comprends bien, c'est un peu érotique. Parce que c'est les jouets érotiques. Du coup, voilà. Il est quelle heure? Ouais. Je termine. Ah, il m'en reste deux. Celui-ci, il est un petit peu abîmé, mais tant pis. Les femmes qui achètent des fleurs de chez Michel Lafon à la collection Roman de Vanessa Montfort. J'avais déjà entendu l'autrice là et je me suis dit pourquoi pas me tenter dans ce bouquin. Celui-ci je l'ai eu à 6,95 au lieu de 20 €. Je vais arrondir, hein, c'est 19,95 €, mais je vais arrondir à 20 comme ça. Il est un peu pour pêche et ici on va suivre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 personnages. Mardra, 4 lettres de jardin d'ange et une boutique tout à fait extraordinaire. On y trouve des arbres, des fleurs, des grignots et surtout des femmes sinueuses, soigneuses. Changer le rêve, aimer car ils ont urgence à vivre. Voilà. Il est pas mal celui-là, assez gros quand même. Je me suis dit pourquoi pas. Et le dernier que j'ai craqué, c'est celui que je crois que j'ai pris en premier dans le magasin. Lui aussi, celui-là aussi était un tout petit peu plus cher. Il était à 7,95 € dans la collection New Roman de chez Hugo Poche. Je ne vous ai pas encore montré, hein, je vous tease. Hein. De Jacrofornor. Il est trop beau. Il y a toujours une raison, même en amour. De Marco Mendro. Voici, et voilà, il est trop beau, j'adore celui-là. Tatoué, c'est un homme tatoué. mélodrame, c'est un mélodrame. Voilà, du coup, je vous lis un peu la quatrième de coup. C'est le cœur brisé par son unique grand amour. Roi, je crois que ça se dit comme ça. Saint-Jean a quitté son Texas. Je le dis pas bien, hein. Je sais. Son natal pour se consacrer à son art. Le tatouage, bien déterminé à ne plus jamais tomber amoureux. Il souhaite juste de profiter de sa vie et de ses amis et surtout de toutes ces jolies filles de mois vert, mais c'est avant qu'il un fantôme de son passé ne fasse érection dans sa vie. Ping pouf, tatoué aux formes afro-londes, Salem
esprit a quitté une maison remplie de règles et de tristesse sans jamais se retourner pour vivre une vie et de mornan de son enfance. Elle ne regrette qu'un seul bon souvenir, celui d'un garçon aux yeux bleus, bourfé d'un talent et amour de sa petite sœur. Aujourd'hui, alors que le destin et un vieux ami les ont réunis, Salem est déterminé à montrer à Roadi qu'il a choisi la mauvaise sœur et qu'ils ont fait pour être ensemble. Mais on n'échappe jamais à son passé et la seule personne qui autrefois les lisait résumerait un moment de séparer pour du bon. Voilà, c'est un truc de tatouage, ça me donnait trop envie. Et de sœur, si je comprends bien, il sortait avec la sœur, mais l'autre sœur est amoureuse de lui et elle va venir dans son truc de tatouage. Qu'est-ce que ça va faire? Est-ce qu'il va lui tomber amoureux d'elle ou pas? Je sais pas, ça m'entente. Ça me tente absolument. Je pense que c'est... J'ai touché la caméra. Je crois que c'est une de mes prochaines lectures quand j'aurai fini ma série de livres que mon papa m'a prêté. Parce que je préfère finir le livre que j'ai eu à mon papa à prêter et puis commencer celui-là. Enfin, je ne sais pas, j'ai plein de livres qui me tentent, mais vraiment plein de livres. Du coup, voilà. Et vous, dites-moi par lequel que je devrais commencer. Et je viens d'avoir celui-là aussi. J'espère que je le mettrai après. Voilà. On voit pas. Par contre, il veut pas faire le focus. Bon, tant pis. C'est pas grave, c'est que vous devez pas le voir. Sur ce, dites-moi en commentaire par lequel que vous avez flashé ou si vous l'avez déjà lu ou quoi que ce soit. Voilà. Du coup, il y a des achats de chez Cash. Il y a deux livres de boîte à livres. Il y a quatre livres qui viennent dans un magasin de pas trop cher. Là, je ne sais plus le nom. Je vous ai déjà fait. Il y a même le sac. C'est je sais pas quoi là. Je ne sais plus. Enfin ça, vous voyez bien. Et puis quelques livres de chez Amazon. Voilà. J'espère que vous êtes, ça vous plaît. Mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos. Mettez plein de petits pouces pour que je monte dans la... pour qu'on me voie plus vite, quoi. Et n'oubliez pas la petite cloche. Comme ça, vous aurez en temps et en heure quand je sors une vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.